Sophie Favier tombée sous le charme de Jean-Luc Delarue. Dans son livre « Jamais aussi bien qu'à 50 ans », l'ancienne chroniqueuse de Ciel Montmardi revient sur ce véritable coup de foudre lorsque l'animateur avait 28 ans et présentait La Grande Famille sur Canal+. Je l'admirais intellectuellement, mais aussi parce qu'il était tout simplement follement séduisant. Il avait des yeux chaleureux, je me souviens de sa silhouette athlétique et du magnétisme quasi animal, félin, si sexy qu'il dégageait. Mais l'animatrice de 52 ans confie également que cette attirance n'était pas réciproque. Il n'est jamais entré dans ma vie, ni moi dans la sienne, et j'ai rangé ce coup de cœur au rayon des histoires impossibles. Dans ses extraits repris par Téléstar, elle laisse quand même planer le doute sur un possible flirt avec Jean-Luc Delarue, décédé en 2012 d'un cancer de l'estomac. J'attendais quelque chose de plus consistant, un véritable amour, qui soit dans le don et la réciprocité, et il aurait été difficile de le faire entrer dans cette catégorie.